Et ensuite, pour finir, ce blender aussi de chez Smeg. Trop beau, magnifique. Voilà, je suis trop, trop contente. C'est canon. J'aime trop ce design un petit peu à l'ancienne, trivial. Bon, ce matin, j'ai Jenny et Estelle à la maison. Donc, j'ai décidé de faire des pancakes pour tout le monde. Pancakes sous shape, la base. Pépites sous shape, la base aussi. Et alors, ma petite astuce à moi pour les pancakes, je rajoute un tout petit peu d'eau pour que la pâte elle soit un petit peu plus souple pour pouvoir bien l'étaler. Bon, pas énormément non plus, hein, parce qu'il ne faut pas que ce soit liquide. Genre là, la pâte, elle est vraiment bien. Voilà. Hop. Là, j'ai mis, pour vous donner une indication, 8 cuillères de poudre et 9 cuillères d'eau. Les pancakes sont prêts pour le dernier jour de Teta en plus. Ça y est, t'étais après en vacances. Les vacances, à ça se fête. Allez, attaquez les monstres. À bout les pancakes. Moi j'en veux. Comment passer un stop? Ta babe. Et ouais. Merci. T'en veux, Si, merde.